Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour les énergies de ce lundi 15 avril. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver chaque jour. Merci de votre fidélité. C'est vous qui participez bien sûr à l'évolution de cette chaîne. Voilà, je vous remercie d'ailleurs pour tout cela hein, bien sûr. On va commencer sur une petite note, et eh bien on va commencer par les émotions. Hein. Comme d'habitude, on va aller voir un petit peu l'énergie émotionnelle aujourd'hui. Et puis après, j'irai chercher à l'instant T, on a la valoriser. Alors, valoriser, ici, oh, vous allez vous sentir pousser des ailes, j'ai l'impression. Hein. Alors, soit vous allez être valorisé, soit ben, en fait, vous avez pensé que vous dévaloriser, ben, ce n'était pas la solution, qu'il fallait fier de ce qu'on avait accompli, même si on n'a pas accompli, même si on a accompli des choses petit peu par petit peu. Le fait de se valoriser, c'est se donner aussi une importance. Et puis, c'est très bien aussi pour le moral. Hein. Donc, voilà, peut-être que vous avez peut-être été dévalorisé à un moment donné de votre vie. Et là, on est plutôt dans l'énergie qui va faire que justement, vous allez faire en sorte de vous valoriser. Vous avez peut-être pensé aussi que ce que vous aviez peut-être construit jusqu'à maintenant, bien, vous pouvez être fier de vous. Hein, même si vous avez été petit peu par petit peu, il y a pas de grande victoire, hein, c'est simplement les petites victoires que vous avez pu mettre en place chaque jour. Ou peut-être que vous avez reçu aussi donc dont ce vous aviez besoin pour vous sentir bien. Voilà, et puis vous êtes valorisé. Alors, ça peut être aussi une valorisation que vous rencontrez dans votre travail. Hein. Ça peut être fier de vous après des travaux aussi chez vous. Hein. Ça peut être ça peut être toutes sortes de choses. Mais en tout cas, voilà, vous se valoriser, c'est bien parce que des fois, on s'en rend pas compte. Mais on fait des choses et puis on se dit pas assez hein, que ben, on a bien travaillé, que voilà. Donc, à chacun son niveau. Mais c'est vraiment ça. Ou alors, vous avez aussi reçu ce dont vous aviez besoin et puis vous êtes en train de vous sentir bien. Hein, voilà, les amis. Alors, on va aller chercher des petits messages. Eh bien, on va reprendre le tarot, le tarot psychique. Bon, alors on vous dit que là, il y a eu un moment où vous avez un petit peu, peut-être envie de baisser les bras ou simplement il y a une période de repos ici, de rajeunissement justement pour pouvoir réfléchir à un éventuel nouveau départ ou pour pouvoir, il y a quelque chose qui nous parle, que vous avez été peut-être dans l'inconfort ou quelque chose qui peut nous parler également de moments de nostalgie, des moments peut-être de regret dans votre vie aussi. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais en même temps, de vous dire que voilà, peut-être que c'est le moment aussi de réfléchir à comment vous alliez faire pour partir d'une situation pas négative pour aller vers quelque chose de positif. Alors peut-être que ça a pris du temps, donc ça vous a demandé du temps, des forces, de la persévérance et surtout de la patience parce qu'on voit bien que vous avez un petit peu enduré. Alors moi, pour certains, on verra que c'est un moment de solitude également que vous n'avez peut-être pas pu partager, bien sûr, avec d'autres personnes. C'est une période de repos aussi, peut-être parce que vous aviez besoin de récupérer, c'était vraiment nécessaire afin de guérir de ce qui vous était arrivé, ou simplement vous étiez en phase avec votre âme, hein, avec vos réflexions, pour aller vraiment de l'avant. Donc pour moi, vous vous êtes donné le temps aussi pour réfléchir, peut-être l'occasion aussi de prendre du recul pour renouveler quelque chose dans votre vie et de passer à autre chose. Alors le fait que là déjà, on cette énergie ici d'avoir envie de passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, donc on voit bien que vous étiez sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Vous aviez aussi ce grand besoin de passer à autre chose. Voyez, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel, mais peut-être que vous étiez arrivé ou que vous êtes arrivé au bout d'un cycle difficile. Et là, on a vraiment envie d'aller de l'avant. C'est le processus de guérison aussi pour certains d'entre vous. Donc on attend d'avoir les esprits beaucoup plus calmes pour justement établir vos objectifs. Alors pour moi, il y a eu une période ici d'introspection, une période de repos qui a été nécessaire d'ailleurs pour pouvoir aller de l'avant. Alors c'est peut-être aussi pourquoi vous êtes valorisé aujourd'hui, c'est que vous allez accomplir ce que vous avez souhaité. Voyez, c'est un peu ce que j'ai ici. Oui, parce que vous voyez, ce repos et ce rajeunissement, eh bien, c'était simplement pour vous permettre de retrouver ces forces, cette énergie pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons le pouvoir, voyez, du lion. Hein, donc ici, c'est retrouver vos forces intérieures, la volonté, le courage ici, pour pouvoir
Ben oui, vous incarnez, ou vous avez pris le temps pour résoudre aussi certains problèmes, pour pouvoir les surmonter en tout cas, pour pouvoir équilibrer aussi tout ce qui est en vous, c'est-à-dire votre corps, votre esprit, l'émotion physique, tout ce qui est spirituel, pour pouvoir surmonter et pouvoir justement vous donner la force, hein, de continuer. Alors c'est peut-être une période de convalescence aussi pour certains d'entre vous. Voilà, vous voyez, il y a une période de souffrance ici par rapport au passé. Donc pour moi, il y a un passé qui est là, et peut-être que ce temps ici, c'était le temps peut-être du pardon, le temps de la guérison, pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir afin justement de passer à autre chose. Et pour moi, c'est vous allez laisser le passé derrière, hein. Pour vous, hein. Moi, je pense qu'il y a un passé qui est là. Vous voyez, comme un choc, comme un bouleversement. Vous voyez, on a la tour ici. Vous voyez cette tour qui se démolit parce qu'il y a eu un échec, parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui s'est passé, qui vous a peut-être immobilisé. Alors, dans différents domaines, hein, mais on voit qu'à un moment donné, ça t'est difficile. Il a fallu justement peut-être faire le deuil d'un passé également pour pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus solides. Vous voyez, c'est ce que j'ai verrai ici. Mais en tout cas, ce qui est plutôt favorable, c'est que justement, vous êtes prêt aujourd'hui aussi à abandonner vos croyances limitantes, tout ce qui était négatif. On voit que votre esprit a beaucoup travaillé. J'ai pas mal d'épées, hein, si on voit bien que j'ai pas mal de cartes de mental. Et on voit bien que votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps. Et là, on voit que vous allez laisser tomber les inquiétudes, votre désespoir. Vous allez vraiment vous ouvrir sur un nouveau chemin. Vous n'allez plus être prisonnier de votre peur. Vous allez justement laisser le passé derrière, hein. C'est un passé de souffrance. Ça peut être un deuil. Ça peut être quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie, qui vous a engendré de grands bouleversements avec cette tour. Là, vous avez décidé, hein, en reprenant vos forces, il vous a fallu un certain temps pour pouvoir récupérer tout ça, hein, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir récupérer votre énergie. Voilà, un peu ce que j'ai ici pour vous, les amis. Hein. Bon, on a cette fondation solide, oui, donc vous avez enduré, ça c'est clair. Mais ici, vous avez peut-être envie de reprendre votre vie en main, quel que soit dans le domaine, même personnel, hein, vous avez envie de reprendre votre vie en main pour justement installer, pour vous sécuriser, pour installer aussi une certaine stabilité. Donc, on voit qu'avec cette carte, vos forces, vous reprenez vos forces. Hein. Reprenez vos forces, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Alors, c'est peut-être tout ce travail-là qu'aujourd'hui que vous vous sentez valorisé. Parce que oui, parce que vous revenez de loin. Hein, donc, vous avez vécu des choses qui ont été difficiles. Donc, aujourd'hui, oui, j'ai envie de vous dire, le fait de vous valoriser, ben, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que oui, ben, c'est bien de vous valoriser parce que vous sortez quand même d'un contexte quand même relativement difficile. Hein, voilà. Alors, le chakra du troisième œil, je vais le mettre à côté. Et nous avons ici la transformation, donc qui nous parle de la mort et de la tour. Donc pour moi, oui, il y a un passé. Donc peut-être vous avez dû faire le deuil d'un passé ou d'une situation. Pour certains, on verra que ça peut être un échec professionnel, un échec amoureux ou une période aussi de convalescence, hein, parce que ça peut nous parler ici. Mais vous allez laisser un petit peu tout ça derrière. Vous voyez, ce chakra du troisième œil que nous avons ici, eh bien, c'est un petit peu l'intuition, à tous vos niveaux de conscience. Hein, donc pour moi, vous y voyez beaucoup plus clair aujourd'hui, puis peut-être que vous avez une nouvelle vision des choses aujourd'hui pour vous aussi. Vous voyez, on y voit beaucoup plus clair, on a plus de clarté. On a un peu, peut-être que vous avez cherché votre propre vérité, votre propre but dans la vie. Hein. Et là, vous voyez, moi j'ai quand même une belle transformation. Donc la mort aussi nous parle de faire le deuil d'une situation ou d'un grand bouleversement pour pouvoir justement partir dans une autre direction, mais dépoussiérer tout ce qui ne va pas dans votre vie déjà pour commencer. Donc cette mort, eh bien, c'est la mort symbolique, mais ça peut être la mort aussi, le fait de faire le deuil d'une situation. C'est un petit peu dépoussiérer aussi le négatif pour justement vous permettre d'aller vers un chemin beaucoup plus positif. Mais en tout cas, vous allez passer à autre chose. Hein. Vous dépoussiérez, alors c'est la fin de quelque chose en même temps, hein. C'est la fin d'une situation difficile parce que la mort, c'est une fin également.
la fin d'un passé qui a été douloureux. Peut-être que quelquefois le passé peut remonter à la surface, évidemment, mais là, on a une belle transformation déjà intérieure. Alors, pour moi, il y a une remise à zéro dans cette carte avec un nouveau départ. Pour moi, vous allez nettoyer un petit peu dans votre vie, renoncer peut-être à vous détacher aussi de votre mental ou des situations pour justement, alors, vous couper aussi de ce passé, hein, de cette nostalgie, de cette tristesse, de ce passé qui, à mon avis, a été difficile ou est encore peut-être difficile. Mais là, il y a une nouvelle histoire pour vous, il y a un changement. Donc, ça peut être la carrière, la reconversion, les finances, ça peut être aussi un changement dans tout domaine. Mais en tout cas, c'est la fin d'une période, difficile. Et là, c'est comme si que les choses s'accéléraient, puisqu'on a un mouvement accéléré ici. Donc, si les choses avaient stagné, voyez, on vous dit que si les choses avaient pris du temps, si les choses avaient stagné, ici, ce mouvement accéléré, c'est-à-dire que pour moi, il représente la vitesse, l'envol, un mouvement rapide sur vos espoirs ou sur une passion. Et puis, c'est surtout la fin des retards. Donc, pour moi, vous êtes en bonne condition, réunis pour vraiment aller rapidement dans la direction de vos objectifs ou de vos désirs. C'est la chance qui est de votre côté parce que tout se matérialise et ce pourquoi vous avez travaillé et ce pourquoi tout ça vous a rendu aussi plus fort. Hein, pour moi, oui. Pour moi, c'est positif aujourd'hui. Donc, voyez, vous êtes valorisé parce que vous sortez d'une situation quand même catastrophique ou douloureuse. Vous verrez, bien sûr, chacun vit des choses, hein, évidemment. Et là, voyez, vous pouvez. Donc, pour moi, vous êtes content, vous êtes fier de vous. Et vous êtes, voyez, vous vous valorisez d'ailleurs. Peut-être que les autres vous valorisent également parce que vous avez réussi, parce que vous avez reçu ce dont vous aviez besoin. Donc, on voit bien que vous êtes en train de vous sentir bien. Vous avez accepté, bien sûr, le passé. Et puis voilà. Donc, pour moi, oui, hein, on est vraiment avec ces belles énergies. Allez, le petit mot. On va le voir avec. Alors, et pour moi, il y a eu des abus de confiance. Alors, peut-être dans le passé, peut-être que vous avez été entouré aussi de personnes hypocrites ou simplement, peut-être abus de confiance, tout simplement. Alors, on va aller chercher un petit message comme cela. Alors, faites attention quand même à l'hypocrisie autour de vous. Hein. Ne faites pas confiance aussi à tout le monde. C'est une carte quand même de prudence. Hein. Alors, eh bien, surmonter le traumatisme, eh bien, c'est vraiment ce qu'on a. Et puis, vous allez pouvoir lâcher les pensées négatives. Donc, surmonter le traumatisme, c'est qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Ne ressassez pas le passé, je vais rajouter, parce que c'est vraiment ce que j'ai dans les énergies ici. Restez concentré, restez centré, vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Voilà. Donc, arrêtez de ressasser toute cette partie, cette charge émotionnelle. Voilà, essayez plutôt de laisser, comme je vous disais tout à l'heure, le passé au passé. Hein, voilà. Et lâcher les pensées négatives, ben ça va avec parce que vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations plutôt positives. Voilà les amis. Allez, on va voir un petit peu. Non, j'ai quand même à aller voir avec la libération énergétique. Ça sera la conclusion, les amis. Alors, quel message pour nos amis aujourd'hui? La libération. Oh, ben, la sauté était de moi, celle-ci. On a les liens toxiques. Alors, on coupe les liens toxiques, vous voyez? Peut-être qu'il y en a certains qui ont abusé de votre confiance ou de l'hypocrisie autour de vous également. Là, c'est un peu comme la mort. Je coupe les liens toxiques. Je coupe aussi le mental qui est négatif, qui a pu aussi vous causer de la douleur. On se coupe aussi avec un passé qui a pu être douloureux parce que c'est vraiment cette énergie que j'avais tout à l'heure. Et puis, j'ai envie de vous dire ici, c'est un peu des choses qui vous empêchaient d'avancer. Hein, comme vous le désiriez, avec peut-être soit des personnes du passé ou des situations du passé. Et là, on voit bien que vous allez vraiment vous libérer de ces liens qui ou de ces situations qui pouvaient alimenter bien sûr une image même négative sur vous-même. Et le fait que vous allez pouvoir le faire, eh bien, vous allez vous sentir pousser des ailes, les amis. Hein. Voilà. Allez, on va voir ensuite dans le sentimental ce que l'on a pour vous, les amis. Écoutez, on a plutôt des beaux messages aujourd'hui.
Enfin, beau message. En tout cas, oui, il y a des choses qui sont plutôt positives parce que les choses s'arrangent, les choses évoluent, et vous allez vraiment vous sortir de cette situation. En tout cas, bien sûr, pour certains d'entre vous, j'ai dit toujours, hein, tout le monde ne vit pas la même chose, évidemment. Donc, prenez vraiment que les messages qui vous parlent. Hein, voilà, le reste, c'est pas pour vous, donc vous laissez. Allez, on va faire le chakra aujourd'hui. J'avais pas d'autres oracles de préparer. Donc, on continue comme ça. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Alors, c'est tombé. Le temps de le ramasser. Alors, faites attention, on a le mensonge, hein, quelqu'un qui porte un masque. Ou simplement, c'est vous qui pouvez porter ce masque, hein, parce que vous ne voulez pas voir les choses, peut-être par peur, par peur de souffrir aussi. Quelquefois, on préfère fermer les yeux que de voir la réalité en face. Sinon, voilà, ce mensonge, c'est quelqu'un peut-être qui vous ment dans votre relation ou par rapport à votre entourage. Donc, il y a du mensonge dans l'air, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, méfiez-vous quand même. Dans cette relation, oui, il y a un masque, il y a du mensonge. Hein, il y a du mensonge, il y a une trahison, peut-être. Ou quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité, en tout cas. Alors, on vous dit qu'il y a un changement positif dans cette relation déjà existante. Quel est ce changement positif? Rencontre par synchronicité. On va aller voir, hein, ce que l'on a pour. Oh là là, c'est beaucoup. Alors, quand c'est beaucoup, je ne prends pas. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Bon, il faut. Je pense que dans cette relation, il y a quelqu'un qui, oui, qui se cache derrière un masque, mais on vous dit quand même qu'il faut toujours vous adapter à son rythme émotionnel. Hein. Donc, on vous annonce quand même un changement positif. Alors, on va voir, hein, les amis. Allez. Alors, ça commence à vous peser ici. Alors, soit vous avez la famille qui vous pèse, c'est fort possible. Soit vous avez une charge trop importante au niveau de tout gestion dans votre vie quotidienne avec la famille. Peut-être aussi le poids de la famille de l'autre. On voit qu'il y a de la mensonge, il y a de l'hypocrisie autour de tout ça. Donc ça touche peut-être votre relation, mais c'est peut-être aussi, alors soit vous avez vous êtes trop comment surchargé. Il y a un cycle lourd ici, peut-être que vous êtes épuisé. Mais ça peut être pour certains cas, certaines personnes, ça peut être la famille autour, soit la famille, votre famille ou la famille de l'autre qui est trop présente. Hein, voilà. Alors vous verrez comment ça vous parle. Il faut toujours vous adapter, toujours à la famille, par rapport à l'autre, ou simplement faites des sacrifices pour votre propre famille, parce qu'il faut toujours vous adapter. Voilà, faut vous adapter, il faut être adaptable pour chacun de membres de votre famille. Et on voit que ça commence quand même à vous peser. Hein, voilà. Alors, on nous parle d'enfants. Alors peut-être qu'il y a une grossesse en cours, mais. Vous verrez comment ça vous parle, mais ça peut nous parler d'enfant. Vous avez envie de vous éloigner, hein, pour moi. Alors, cet enfant peut nous parler aussi d'avoir envie de changement, hein, d'avoir envie de changement, d'avoir envie de partir, d'avoir envie de vous éloigner. Alors, si on nous parle de la famille, parce que ici on a deux couples, hein, soit si on parle de la famille, peut-être la famille de l'autre ou la vôtre, on a vraiment envie de s'éloigner aussi d'un couple. Hein. Ou soit vous avez vraiment envie de vous éloigner dans votre vie de couple. Hein. Il y a des choses qui sont trop lourdes à porter, et puis peut-être que vous êtes en train de sentir aussi qu'il y a des synchronicités, mais il y a des choses qui vous semblent louches. Hein. On voit qu'il y a du mensonge, de la manipulation autour de ça. Soit dans votre couple ou soit dans la famille. La famille autour. Oui, il y a un blocage ici. Hein. Oui, on a un petit peu les chaînes. C'est comme si vous étiez bloqué dans une relation, je pense ici. Peut-être à devoir faire des sacrifices, de donner beaucoup de votre temps, de donner beaucoup de votre personne. Aujourd'hui, on voit que vous avez vraiment envie de vous libérer de ces chaînes, les amis. Hein. Voilà. Alors, je vais aller chercher d'autres messages. Allez, on va aller voir l'avenir dans ces énergies.
Allez, on nous parle. Qu'est-ce qu'on nous parle? La suite. La suite, c'est que vous avez vraiment envie de reprendre votre pouvoir et de passer à l'action. Je pense qu'on peut nous parler de soumission ici. Alors la soumission, ça peut être dans différents, parce qu'on peut être soumis à sa famille, on peut être soumis à la famille, à notre famille autour, à notre entourage, à notre famille propre. Hein. Et on voit que vous êtes un peu bloqué. Alors, on voit que il y a une amélioration, le soleil, et il y a de l'action aussi. Alors, ça parle de quelqu'un qui pense quand même à un moment donné, peut-être, oui, vous vous libérez de vos chaînes. Hein. Alors, peut-être que vous ne plaisez pas à la famille de l'autre, pour X ou X raisons, hein, et vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire, et que de ce fait, ça vous demande beaucoup de sacrifices par rapport à la famille de l'autre, ou à l'entourage, en tout cas, ou peut-être c'est votre propre famille, tout simplement. Et quand moi j'ai des chaînes ici, c'est un blocage aussi. Hein. Donc peut-être que ce blocage, c'est aussi, il y a des personnes qui transmettent de génération en génération. C'est comme ça, c'est pas autrement. Tu dois te conduire comme ça, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. Enfin, moi je sais pas, je parle ça parce que c'est vraiment ce que je ressens avec ces énergies. Hein, donc vous voyez comment ça vous parle de votre côté. Alors ici, on voit bien qu'il y a des actions. Vous avez envie, peut-être qu'on vous allez retrouver aussi cette énergie, parce que le soleil, c'est quand même l'énergie. On a envie d'améliorer, oui, parce qu'on a envie vraiment de s'éloigner, hein, d'éloigner de tout ça. Et puis on voit que là, bah, en fait, peut-être que vous êtes en train d'y réfléchir d'ailleurs, à pouvoir mettre les choses en action, reprendre votre pouvoir, votre force, cette ambition, en tout cas, cette ambition que vous avez, c'est vraiment, vraiment de vous éloigner. Allez, tout ça va nous mener tout ça. Eh bien, ça va vous mener à prendre une autre direction. Donc, pour moi, il y a peut-être de la communication nouvelle ici. Peut-être qu'il y a un changement positif ici. C'est ce qui était annoncé au départ. Ici, ce que vous allez faire, c'est que pour moi, il y a une action. L'action, c'est la décision. Vous attendez peut-être l'éclaircie, vous attendez peut-être d'y voir plus clair. On voit que vous êtes en train de chercher parce qu'il y a quand même de la communication nouvelle et vous allez vraiment pouvoir ici lâcher prise. Vous voyez, j'ai quelqu'un quand même qui lâche prise, c'est quelqu'un qui part, hein, moi, qui fait le deuil de tout ça. Et puis, ben oui, c'est lâcher prise, hein, quelqu'un qui prend une autre direction. Alors peut-être que vous préparez aussi votre nouvelle direction. Donc, il y a une prise de conscience avec cette carte. Il y a des choses que vous n'acceptez plus, peut-être. Et là, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Hein, donc, prendre une autre direction. Alors, soit vous avez envie de passer à autre chose parce que vous avez de la communication nouvelle avec une autre personne. Ou soit vous avez vraiment, aujourd'hui, vous attendez d'avoir cet éclaircissement, toutes les réponses que vous attendiez. Donc, on voit bien qu'il y a la communication, peut-être pour mettre aussi ce projet de départ en place. Ici, on vous dit que vous allez lâcher prise. Donc, pour moi, vous allez prendre une autre direction, les amis. Voilà. Allez, on va tout de suite, on a terminé. Donc, voilà. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Je vous souhaite un très, très, très bon lundi. Et comme d'habitude, surtout, prenez bien soin de vous. À très vite.